Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis encore très ravi une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro dont nous allons parler des... Je crois que vous l'avez deviné, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de, pour les femmes qui accouchent. Ainsi, nous allons parler de la gratuité en République démocratique du Congo. Merci pour encore tous les abonnés et pour le bienvenu. Nous disons bienvenue à ceux qui se sont dernièrement abonnés. Et vous qui continuez à nous appeler, à nous épauler, à nous supporter, à nous envoyer des matériels. Si vous avez encore un caméra, un micro quelque part, et vous pouvez toujours nous envoyer. Et cela va continuer à essayer un peu de propulser notre chaîne pour à ce que notre idée de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base puisse s'étendre et arriver partout où il pourra être appliqué dans les mains ou bien dans les oreilles des décideurs. C'est pour cela que nous demandons à tout le monde, si vous n'êtes pas encore abonné, vos abonnements comptent beaucoup plus à alourdir ou bien à peser sur l'expansion de nos idées, de l'expansion de nos chaînes. Si vous n'êtes pas encore abonné, vraiment abonnez-vous. Et puis, si vous êtes abonné, essayez un peu de commenter la vidéo. Vos commentaires nous sont très chers parce que cela nous donne le feedback, cela nous donne, nous spécifie que nous sommes en train d'être suivis. Si vous réagissez, si vous nous appelez, ça nous fait du bien. Mes chers amis, notre pays est en train d'aller dans une tourbillon, je ne sais pas, d'incompréhension, ou bien les gens ne comprennent pas exactement le réel problème de notre pays. Nous sommes en train de faire des choses comme à l'européen. Nous sommes en train de copier beaucoup de choses. Et moi, je pense que cela ne va pas avancer quoi que ce soit dans notre pays si nous ne réfléchissons pas, si nous ne connaissons pas les raisons dont nous sommes en train de faire les choses. Donc, aujourd'hui, nous allons nous atteler sur, comme je vous avais dit, sur la gratuité de l'enseignement. Qu'est-ce qui s'appelle? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a gratuité? Et la gratuité, c'est quoi? Et en fin de compte, nous allons vous expliquer comment est-ce que cela pourra être facile dans un pays dont nous allons vous expliquer, dont nous continuons à dire qu'il faut rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. Avec le mécanisme que nous vous expliquons pour arriver à ça, ça sera un peu facile de mettre cette gratuité en marche. Donc nous allons en parler. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Guerre dans l'Est, les parlementaires français promettent un soutien à la RDC. Diplomatie, la Tanzanie amoindrit les mesures d'immigration en faveur de la RDC. Et puis carnage à Goma, cette inattendue réaction du MLC de Jean-Pierre Bemba. On va sur actualité.cd. Maniema, des officiers de l'armée de la police arrêtés après des percussions dans leur domicile. Tragédie de Goma, le parti de Katumbi pointe du doigt le silence du Parlement. Kabound, procès Kabound, report de l'arrêt définitif de la Cour de cassation au 13 septembre. Congo profond, Jean-Marc Kabound, la Cour de cassation joue à la prolongation, encore 7 jours de suspense. Rentrée scolaire 2023-2024, plusieurs écoles de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi enregistrées aux abonnés absents. Massacre de Wazalendo à Goma, début de procès contre les officiers militaires arrêtés. 7 sur 7. Tshisekedi lance officiellement la gratuité et de la maternité, la prise en charge des nouveaux-nés à Kinshasa. Et puis à RVA, constatant une absence totale d'une communication d'image, le PCA Kinke Mulumba veut changer le paradigme. Et puis la RDC et l'UE envisagent une conférence sur la crise dans l'Est et la justice transitionnelle.
On termine par Radio Okapi. Nairobi, Antonio Guterres appelle à l'aide financière internationale pour une transition vers les énergies renouvelables en Afrique. Grève générale de médecins et techniciens vétérinaires. Ituri, deux otages tués par la milice Codeco à Aru. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, vous avez certainement constaté que l'actualité reste dominée par les événements de Goma et les événements qui se passent effectivement à Kinshasa, où le président de la République est parti à inaugurer justement ce grand projet qu'on appelle pour les néonatales, Batoubakoubanda Kobota Ophélé. Alors, et permettez-moi un peu de commencer à vous expliquer ça un peu en lingala pour que tout ce qu'ils ont attend en swahili, donc en frangala et puis en swahili, je vais essayer un peu d'être explicite. Quand on parle de la gratuité en République démocratique du Congo, c'est-à-dire qu'on ne paye absolument rien. Au coquin de classe, au filé, je crois que aux Wikaka, ma frère d'inscription, disons au footy, ma frère d'inscription. Et puis, c'est tout. Qu'est-ce qui est pris en charge par l'État? Ce qui te l'oublie, gratuité. Gratuité, c'est à côté, il y a bah élève. Parce que ici, nous parlons de l'enseignement. Bon, gratuité, c'est à l'IPE, côté, gratuité zalina ils ont bénéficié na ba congolais ou bazo ke ne kosenga service wana. Donc le service natal sera gratuit en République démocratique du Congo. Les femmes pourront, quand elles sont enceintes, elles vont tout simplement dans un centre hospitalier et puis salier à Boti et puis à Kéi, c'est tout, c'est fini. De l'autre côté aussi, la gratuité de l'enseignement, c'est-à-dire que les enfants n'auront pas à payer le minerval. Et le minerval, c'est quoi? C'est le frais que l'État demande à chaque parent de contribuer pour qu'il puisse avoir ce service-là d'enseignement. Donc, ils ont supprimé. C'est-à-dire que ce qui est gratuit, nous devons foutre à payer l'eau comme mon côté. Alors, moi, je vis ici en Afrique du Sud pendant, je crois, beaucoup de temps. Et nous avons essayé un peu de nous poser la question, qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? Comment est-ce que les autres font? Pourquoi n'a pas vu qu'il y a Afrique du Sud? Parce que je vis d'abord ici. Et parce que moi, je m'inquiète souvent de la façon dont Binokozo Salemana Congo. L'exemple le plus typique que je peux comparer, on a eu Kolobake, ah oui, Salemi Boy, mais quand on est Salemi Boy, et Zaka ka place où on a Zako vivre. Sur Internet aussi, je me suis aussi renseigné sur comment ça se passe au Canada et comment ça se passe aux États-Unis. Ici en Afrique du Sud, lorsque on dit que non, il y a gratuité. Gratuité na côté à que ba parents bazo que na classe moana azana a que kosenga gratuité. C'est comme ça. Ici on demande cette gratuité. Moana ba parents o ba lingi bana na bangobe bazana makokite ba kenda ka kosenga. On va demander cette gratuité là. On appelle la subsidie. L'État va intervenir en disant que non, tozozoa, couche la population, oh, bazana makoki akofuta mbongo ya classe T, bisonde mututo kofuta la bango. C'est nous qui vont payer pour eux. C'est comme ça que ça se fait. Et, cette couche-là de la population, qui n'est pas en mesure de payer le frais, les académiques, surtout dans la primaire, bakenda kakosenga eloko wana babenga ngo subsidy. Ils vont demander, ils font une demande, bakopesa bango facture wana l'état ne mutoza en charge. Voilà là où le problème se pose en République démocratique du Congo. On proclame la gratuité de l'enseignement et on ne définit même pas les procédures pour que cette gratuité-là soit applicable. On nous chante par-ci, par-là, que non, on oublie d'expliquer que c'est l'État qui doit prendre en charge. On
il ne suffit pas tout simplement de rire en disant que nous avons foutu à l'issue. Non. Ça n'existe pas nulle part au monde. Il n'y a pas quelque part où il y a gratuité. Non. Ça, ce sont des frais. Des frais de fonctionnement. Mon cannabis, est-ce que ça n'a pas de temps? Il y a que ça, gratuité et enseignement. Moi, je me pose cette question-là. Si nous avions l'argent, pourquoi est-ce que nous allons encore recourir à l'étranger pour que toi pour soutenir gratuité enseignement? La gratuité, ça n'implique pas tout simplement que nous enseignons, c'est tout un processus. Je ne sais pas comment ils se sont pris. Naïvité. Quand les écoles manquent de crédit, quand les écoles manquent de frais de fonctionnement, et pour ma frais de fonctionnement, je ne sais pas, ignoble, donc ils sont insuffisants. C'est pratiquement de la démagogie, comme je peux dire. La gratuité ne peut pas se faire comme ça. La gratuité, c'est d'abord, il faut être d'abord viable. Quand vous allez dans les écoles de l'Afrique du Sud ici, j'ai des vidéos où j'étais dans les écoles de Soweto et même à l'intérieur au KwaZulu-Natal, Bandeko. Même dans le village le fin fond. Enfin, je ne peux pas me mettre à comparer l'Afrique du Sud depuis le Congo, non. Tosa Moussika, Tosa pratiquement Moussika. Moi, j'ai des vidéos que j'ai enregistrées à Kikyo. Où vous regardez, aux hommes tout le bana, oh vraiment. Le système de l'enseignement n'est pas en ordre, n'est pas ordonné. Elle ne sera jamais ordonnée si le système global du pays n'est pas ordonné. Et ainsi donc, tous les projets qui se feront au-dessus de cet désordre-là, je ne suis pas un prophète de malheur, mais je vous dis ce que je pense. Parce que ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Nous devons faire des choses de façon à analyser en se disant gratuité, pour que et gratuité Simba, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est le moment d'appliquer la gratuité? Il y a moyen de le faire, je peux dire. Il y a moyen. Ce n'est pas qu'il n'y a pas, il est impossible. Non, je ne dis pas ça. Je dis, pour l'instant, la gratuité de l'enseignement n'a pas sa raison d'être. Parce que quand vous faites la gratuité de l'enseignement, vous appauvrissez de plus en plus les écoles. Vous appauvrissez de plus en plus parce que le système global ne fonctionne pas. Alors, ici, je vais vous dire quoi. Quand on dit les parents ici en Afrique du Sud demandent à ce qu'il y ait gratuité dans les... Parce que dans toutes les écoles, lorsqu'il y a rentrée scolaire, on demande aux parents qui n'ont pas le moyen de payer le Minerval. Le Minerval est connu. L'État a barré le Minerval. Le Minerval est connu. Il y a une rubrique. Il y a un livre, il y a un crayon, il y a un nini, tout ça. Vous allez contribuer à du papier. Et il y a un animal qui est là. Il y a un rubrique qui est bulletin. Voici qu'est-ce que vous allez payer au courant de cette année. Matériel scolaire, comment tout ce que nous allons faire, tout. Et puis ils disent les autres baribriques, on les allie les imprévus et autres. Et ça donne ici en Afrique du Sud, ça a à peu près une affaire là-bas, 60 000 rand. Ça peut faire combien de dollars pour quand le dollar est à 19, 60 000 rand, nous pouvons dire à peu près 3 000 dollars, hein, 40, oui, à peu près 3 000 dollars là. C'est comme ça, c'est ça le frais pour le minimum, minimum, mais à la katam, soit comme 45 et comment. Donc, au-delà de 2 500 dollars là, c'est ça le frais au niveau primaire. Donc, au bandit, ma première primaire, la sixième primaire. Là, je suis au niveau primaire. Et que ma capeti, na high school, donc la secondaire. Les parents qui n'ont pas assez de moyens doivent demander ça. Comme les parents demandent, bah, pour que ça bango
facture balobi facture na bino ya ngoyo ba para basali basengi demanda ko sengi ya koloba ke nobiso toza kokokola koso kokofuta te parce que te pour des raisons une autre nazala musala te naza pensionné naza boye tout ça il faut qu'il y ait des raisons qui doivent justifier que obi kokofuta te dès que ba accepter yango ba kenda kasiko ko tia ba bino kwana na l'état l'état fouti a fouté li bino. C'est ça qu'on appelle la gratuité. L'État fouté la kabatou. Maintenant, regardez le cas de notre pays, Bandeko. Nous sommes dans un pays où nous ne connaissons même pas le nombre des élèves. On nous a parlé de 2 millions d'élèves qui sont rentrés à l'école. On ne connaît pas. Quand on va l'obtenir gratuité, on dit que non, il y a à peu près 2 millions d'élèves. Ces 2 millions d'élèves devraient payer combien ? Pour que l'État a remboursé après ça, ba école wana et ba qui s'affrait de fonctionnement. Parce que ce qui se passe chez nous, vous regardez les écoles qui ne sont pas viables, autant que ba école en gros, on met tout le bien, est-ce que l'État a la carte? Les enseignants ne sont pas payés, et puis on nous parle de la gratuité. Non, et qu'on s'y batte bandeko. Réfléchissons. Ça ne tient pas debout cette histoire qu'on nous chante la gratuité de l'enseignement. Ça ne tient pas debout. Et en plus de cela, voyez comment est-ce qu'on est en train de s'entêter. Bah, qu'on va qui s'allie sous gratuité et à maternité. Je me pose comme question, quelles sont les statistiques que l'État dispose que nous avons autant de naissances par an? Parce que si nous connaissions autant de naissances par an, à ce moment-là, nous pouvons disposer d'un budget en disant. Batouana pour qu'il y ait naissance, pour que moi c'est que le cobot à l'hôpital, ça lui coûte combien? Ces charges-là devraient être prises en charge par l'État. Mais nous ne connaissons pas les nombres, nous allons travailler comment? Ainsi, la démarche en annonce est comme une démagogie parce qu'on est en fin mandat, on commence à faire des choses pour que Batouba Kanissa. Ça, c'est du pur mensonge. C'est du pur mensonge, tu as comme une démagogie électorale, donc tu as parce qu'ils veulent nous donner leur voix. Mais sinon, dans la pratique, ça ne s'explique pas. J'ai vu l'autre fois le ministre en train d'expliquer que non, batongi dans l'école, batongi. Le système, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas le ministre de l'enseignement qui devrait aller commencer à expliquer comment ils ont construit les écoles. Non! Infrastructures qui va. Nous avons un ministère des infrastructures. Il y a un bâtiment, les ITPR. C'est à ce ministère-là qu'on devrait dire bon, ok, voici l'argent et voici le nombre d'écoles que nous voulons construire. Ce n'est pas au ministère de l'enseignement. Oh, nous avions autant d'écoles maintenant. Non! Tout doit être dans une chaîne. Vous voyez maintenant qu'au Congo, il faut ce qu'ils ne doivent pas faire. Et c'est ça le comble. C'est ça le grand problème. Et donc, nous disons que les Kambamba gratuitement dans le Congo, si vous regardez ça scientifiquement, ça ne peut pas marcher. Pourquoi ça ne peut pas marcher? Parce que les statistiques et le nombre des élèves ne sont pas connus. L'organisation même des structures d'enseignement est à malamouté. Alors, ici nous disons, par où commençons? Comment est-ce que cette histoire-là peut être bien faite? Et c'est là que nous tombons encore dans notre solution que nous disons ici. Notre solution devrait commencer d'abord par réorganiser, par connaître les Congos. Et connaître les Congolais, nous sommes combien et dans quelle province où est-ce que les Congolais vivent.
Congolais ont vivre wapi baza combien à Kwango. Quelles sont les infrastructures qui qu'on dispose au Kwango? Vous comment on a des communicateurs rebelles à Union Sacrée au bazar quoi que ça là au gratuité enseignement balobi batongi 20 30 écoles d'enseignement. Ils ne sont même pas sûrs. Bah les bibles quoi monté, ils ne savent pas. Qui peut me dire combien d'écoles on a construit au bas où elle est? Ce qui m'a écouté, ça dit que nous avons un réunion sacré. Je n'ai pas de bête à l'homme où on a l'obité. Quand on a battu 20, mais ceux qui sont sur place, ils sont que tous les gens ont été. Ah, tous les côté. Je vis quelqu'un hier sur une émission de la télévision à Kinshasa qui revenait de l'intérieur. Un type de l'union sacrée, il dit que dans son village, rien n'a été fait. Il est en train de chercher quoi? Il est en train de chercher à être député. Et là, il les a amenés, le football. Donc, vous comprenez. Et quand il revient, il dit que, en tout cas, le projet a 145 territoires et comme il n'y a pas d'habitude. Donc, vous comprenez que le pays est sur une raide pente et que nous sommes en train de nous distraire en ne voulant pas nous baser sur la réalité du pays. Nous devons commencer par où? Nous devons commencer par nous connaître. Et notre planning, ici à Contact Pro Live, nous sommes dit, le chemin que nous pouvons prendre, c'est que le président de la République devrait en principe convoquer les états des lieux de chaque territoire pour que le peuple congolais au niveau de chaque territoire zela ezala ezala te batukuna bayeba nini yango baza nango. Problème nini yango zali na kati na bango. Comment résoudre le problème de l'insécurité là où il y a l'insécurité? Comment résoudre le problème de route là où il n'y a pas de route? Batu ya kote kuna nde mutu, il faut pas réfléchir. Il faut pas que cette réflexion là vienne de Kinshasa parce que bah on va à Kinshasa la koloba que non kuna moya bokoma kuna zate pendant que bazoubia kambo le monde faute à la gouvernement central. C'est pour cela que nous sommes dit il faudrait que le gouvernement central puisse mettre les gens devant leur fait accompli. Félix Tshisekedi a construit si mandat na ye soki azongi si congolais na musala. Et ça, dans l'obité, qu'on pense à Congolais, Moussala, dans l'obité, ceux qui ont ici Congolais à Sala Moussala, il faut que l'État congolais puisse recommencer à faire son travail. Et la façon de le faire, c'est d'appeler tous les Congolais au niveau de la base, de se mettre en place en se disant, il faudrait que nous puissions réfléchir sur un nouveau Congo. Nouveau Congo, Zanin, ils ont comment on a voulu, nous avons du bois, nous avons les nous avons c'est pas des rivières, nous avons tout ça. Vous conscientisez pour que vous puissiez faire un nouveau Congo, pour que tout côté qu'on va prendre conscience à Koloba que non. Mboka oh mutumususu mutako ya kotonga ngote. Tokotonga yango na kitana biso otozana ngo awa. Il faut que cette conscience là revienne. Et elle va revenir comment? C'est par l'impulsion justement que nous avions demandé au président de la République de donner cette impulsion là à tous les Congolais, d'aller dans chaque coin du Congo à réfléchir sur un nouveau Congo. Ma réflexion, j'ai absolument dit que nous devrions commencer par les gens qui vont réfléchir devraient commencer à s'identifier. Base ou problème à identification d'un territoire na bango na maboko na bango, en disant nous sommes 400 tribus ici dans ce territoire ici. Alors comment est-ce que nous allons nous identifier? C'est là le grand problème que nous nous sommes dit et il fallait commencer par là. L'identification de la population est la voie absolument et cause à la base il y a développement en Mboka na biso. Dès que le peuple congolais est identifié, nous saurons maintenant comment identifier la population. Je vais vous donner ici un exemple, ici en Afrique du Sud. Dans le document, vraiment dans les prochains jours, chaque fin du mois, l'Afrique du Sud paye les pensionnés, c'est-à-dire les gens qui sont au-delà de 60 ans. Nous tous au-delà de 60 ans, azana droit wana ya kozwa pension. Et c'est à peu près une affaire, je crois, de 100 dollars. 120 dollars. Au-delà déjà, si tu n'as pas de travail ici en Afrique du Sud, peut-être beaucoup ne vous le diront pas. Au Congo, on en a chaque fin du mois,
Batouana, comme ils sont identifiés, l'Afrique du Sud a exactement. Tant que Kita Moke Zali, Makambakoui Bezate, ils ont un département Mobimba. Bapesa Kabatouana Mongo, chaque fin du mois. Et en leur donnant l'argent, parce qu'ils sont connus, Bayebani. Mais tandis que chez nous, combien de vieillards nous avons? Notre population, nous ne la connaissons pas. Ainsi, mener une action de gratuité et cause à la aléatoire, on ne saura pas. Même les soins médicaux ici, les réfugiés ici sont à un certain niveau sont soignés gratuitement. Pourquoi? Parce qu'on connaît le nombre. Ils attendent, ils se disent que nous pouvons donner ceci gratuitement. Nous pouvons donner ceci gratuitement à tout le monde, à tout. Parce qu'ils connaissent le nombre. Voilà l'importance de l'identification de la population et de la carte d'identité. Ce qui est le nombre à Batou, tu peux s'organiser à Kolobakeno. Pour booster le business, on donne de ceci de l'argent liquide. C'est comme ça qu'il y a un cercle économique qui doit tourner. En Afrique du Sud, va pensionner, va foutre à Kabango chaque fin du mois. Que tu sois chômeur ou quoi que ce soit, mais ce qu'on a, il faut. Bien sûr, c'est ça. Et c'est là, je voudrais encore attirer l'attention de vous autres Congolais, parce qu'il y a des procédures pour accéder à ces grants-là qu'on dit. Il y a des procédures, il faut faire une demande. Et pas d'abisso, bakouba de l'oba gratuit. Gratuit, ça veut dire quoi? Gratuit, ça veut dire que vous ne pouvez pas. Vous devez vous identifier comme nécessité. Donc n'importe qui a voulu qu'à à son bibakaye à qui avant une école à combien l'école est gratuite. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est ça que nous voyons. Donc l'État congolais est en train de copier les autres, mais il ne sait pas comment ça se passe. Et puis ces intellectuels-là ne se demandent même pas en se disant comment est-ce que nous pouvons faire cette histoire. C'est comment arriver là-bas, Bandeko. Si nous ne partons pas sur l'identification de notre population, ma projet est nous sur la population ça ne réussira pas. Nous sommes en train de perdre notre temps. Imagine-toi par exemple, Valobi gratuité à la maternité. Quelle est la statistique? Quelles sont les polycliniques qui seront affectés où il faut aller donner naissance gratuitement? Ça devrait en principe être sur toute l'étendue de la République. Et donc, l'État ne pouvait pas entamer un tel projet s'il ne dispose pas l'argent. L'État est en Mbongo, mais Mbongo, il faut appeler ça à un service beaucoup fulani. Les polycliniques, ils ont besoin d'utiliser les matériels et tout ça. Babino, quand les accords à Bango, ce que l'on dit que non, c'est pas que nous avons mais ces polycliniques-là, ils vont survivre comment? Ma facture, ma Bango, est-ce que l'État est capable de la foutre à Bango chaque mois? C'est ça les questions fondamentales. Ainsi donc nous sommes dit question un qu'on résoudre dans ma cambo délai et zali identification à population. C'est comme ça que nous sommes dit si nous sommes identifiés et que le schéma en disant par exemple les états de lieu de chaque territoire, on identifie les Congolais dans tous les 145 territoires et on connaît le nombre de vieillards, de filles, de jeunes, de ceux qui travaillent, des agriculteurs et tout ça. Lorsque ici en Afrique du Sud il y a ce qu'on appelle identification, ils font ça, je crois j'avais déjà publié certaines de nos photos, on passe maison par maison, on vous dit, on vous êtes identifié, ah, vous venez d'où, qu'est-ce que tu fais, tu as combien d'enfants, tout ça. Et ainsi, lorsqu'ils font la statistique, ils savent combien d'hommes en âge de travailler sont là, quels sont les chômeurs, combien de chômeurs, est-ce que vous pouvez nous dire combien de chômeurs nous avons au Congo? C'est ça le réel problème. On va s'arrêter là aujourd'hui, espérant que vous aviez trouvé intéressant ce numéro et que vous vouliez encore, si vous voulez encore qu'on en parle, en tout cas, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas.
Laissez-nous des commentaires en bas ici, vous pouvez nous laisser ou bien nous appeler pour nous dire voilà là où vous n'avez pas bien dit, tout ça, nous pouvons en parler. En tout cas, je suis très fier en tout cas de voir que le mois d'août, nous avions eu beaucoup d'abonnés et vous me laissez souvent les commentaires. C'est comme ça que je reconnais, je me dis merci beaucoup. Merci. Ça m'aide vraiment à calibrer les émissions. Et n'oubliez pas que chaque samedi à partir de 15h, nous avons des émissions live dont nous revenons sur ces émissions que nous faisons aujourd'hui. Donc retenez que si nous voulons encore aller en profondeur avec ce sujet ici, nous le ferons le samedi. Merci donc, passez une bonne journée. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.